familial comme aujourd'hui et hier n'aurait pas pu se faire. Je voudrais remercier également l'OMECAS qui nous verse des subventions régulièrement des années et qui en fait est la société qui représente toutes les associations de la ville de Soultz. Je tiens à remercier également l'ONF et les chasseurs, sans qui on n'aurait pas pu faire de trial non plus. Et ensuite, quelques entreprises comme Super U de Bolvillers, les établissements Érisés. Voilà. Vous avez pu apprécier hier les camps. Ensuite, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire. Voilà, ça c'était les remerciements pour les sociétés et les municipalités. Ensuite, un grand merci à tous les commissaires. Surtout, Bâcle du soleil pendant les deux jours, donc ça n'a pas été évident pour eux. Et là, je tiens à les remercier tous parce qu'on a eu 31 commissaires hier et 35 commissaires aujourd'hui. Et vous savez tous que c'est pas évident pour ceux qui organisent cette triade de trouver des commissaires suffisants, souvent pour surtout quand on a 17 zones. Voilà. Ensuite, je voudrais remercier tous les membres du club qui ont participé à l'organisation de ce triade parce que ça a été une grosse organisation. Et dans les gens que je veux remercier, c'est tout particulièrement nos épouses. Donc, qui se sont occupées du repas du service hier soir et de tous les gâteaux que vous avez pu manger pendant ces deux jours. Voilà, je voudrais remercier tout particulièrement Nicolas Élisée. Je ne sais pas où il est. Il doit être au bar. Que c'est lui qui s'est occupé de l'infrastructure du stand de guerre, de l'intendance, de la logistique. Il a fait un sacré boulot avec ses copains pompiers pour mettre l'électricité, etc. Merci encore à Nicolas. À Michel Muret qui s'est occupé des commissaires et du chapiteau. Aux traceurs, c'est-à-dire à Thierry, André, Étienne, Bernard et Jean-Luc, parce qu'ils ont fait de très belles zones. À Fernand Yacubi qui était au barbecue, parce que c'est important ça aussi. Philippe, notre ami Philippe qui était au départ, et c'est Monsieur l'horloge. Michel Locher qui s'est occupé des résultats et des inscriptions. Et un travail ingrat mais qui a été fait très bien, c'est Christophe Kaufmann qui s'est occupé du parking. Voilà. Bon, et bien maintenant on va commencer les résultats. Alors, on va commencer par les gentlemen. Alors, premier, Maurer Marc, avec 8 points. Parce qu'il s'est fait opérer du genou il y a 3 ou 4 semaines et normalement il roule dans une catégorie un peu supérieure, mais là bravo quand même parce que en étant opéré il y a 4 semaines, se monter sur une moto, surtout un triathlon qui n'est pas trop facile, bravo, bravo, bravo. C'est super, et comme j'ai un peu un autre dans la catégorie, bah, je donne ma coupe au suivant, au troisième. Alors, le deuxième, c'est notre ami Stanfi Ernst. Parce que Ernst, il est venu à tous les trials que nous avons organisés. Voilà. Donc, voilà. Bravo. La bise, hein. Tu fais la bise. Oui. Et on va lui donner un deuxième petit lot parce que c'est un des concurrents les plus âgés, le plus âgé du trial. C'est un des fidèles. Des fidèles.
c'est David Jackie. Bravo. Donc le quatrième, c'est Ur Patrick. Ah ben Patrick. Victor.
particulièrement parce que vraiment, c'est quelqu'un d'étonnant. Et comme Victor fait partie des gens qui sont toujours venus au théâtre de Soultz, on lui donne en plus de la coupe, parce que les coupes, Victor, il y en a. Il aura beau souvenir encore de Soultz. Merci pour tout, merci Victor. Jean-Marc, 7e Burnichon Philippe, 8e
C'est Eric Violini qui fait une bonne chose. Deuxième, Fight Martin. Et dixième, Travers Walter. Bravo à tous. Et maintenant, nous allons prendre la dernière catégorie, la plus difficile, donc les inters. Avec premier, Zé David. Avec une Honda TLR, c'est bien. Deuxième, Faïd Mathieu. Les deux sont séparés d'un point. Mathieu, j'ai pas vu de la journée, quoi. J'ai pas vu de la journée, genre, hein, non. Bravo, Mathieu. Et tu dis, c'est un vieux. Troisième, Petit Demange, Michel. Bravo. Quatrième, Nourrisson Christian. Et cinquième, Jean-Olivier, que je tiens à féliciter parce qu'il s'est blessé hier et il a quand même roulé aujourd'hui. Donc bravo. Voilà, donc le trial est terminé. Donc on vous invite tous à un petit vin d'honneur. Tout ce que je voulais encore dire. Ah, pardon, c'est pas fini. Alors, on voulait donner un petit cadeau. Le plus jeune. Mais c'est qui le plus jeune? Alors, c'est qui le plus jeune? De quel âge? De quel âge? 12. Voilà, bah, chacun vous recevrez un maillot. On évite de donner des bouteilles aux jeunes. Donc, aux deux plus anciens, on a distribué. Aux deux plus jeunes. Et maintenant, il reste encore à donner une bouteille à la seule femme qui a roulé aujourd'hui, qui a roulé donc deux jours, c'est à Claude Morel. Voilà, donc je voulais juste rajouter encore que cette organisation, vous allez vous en douter, nous a demandé beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on a eu 85 inscrits au départ et aujourd'hui on a eu 77 pilotes. Donc c'est, on est content parce que tous les gens qui sont venus aujourd'hui, on les remercie tout le temps. Ça leur a tous plu. Mais on aurait, c'est vrai que si on avait eu 10 pilotes de plus, ça aurait été encore un peu plus sympa. Donc j'espère que vous direz bien à tous les gens que vous rencontrerez dans les autres trials, que le trial de Sousse est un bon trial et que quand on va le refaire dans 2 ans, on aura un peu plus de pilotes. Voilà, merci.